Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. يشرحوا دائما الاكستريميزم الريليجيو بلونجي سوغ الميديو غاديكو وايضا الكتاب العربي اللي كتبتو هذا محمد السموني صحفي وباحث المجتمع السياسي اللي هو حول نفس الموضوع لكن بكتاب مختلف باللغه العربيه وهو كتاب اللي بعنوان تقنية التضامن ملامح صناعة الراديكالية الدينية في المجتمع قبل ما نبدا النقاش مع السيد هشام حول الموضوع اليوم تصنتوا الكلمة الافتتاحية ديال السيدة حورية الوزاني في المركز هذا باش نوجهوا للنقاش لتقديم ونقاش الموضوع مع هشام. Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence que M. Hichem Moutefa a proposée sur l'extrémisme religieux plongé dans les milieux radicaux du Maroc en référence à l'ouvrage qu'il a publié en 2017. Veuillez excuser ma voix perturbée. L'extrémisme religieux est une question très préoccupante, non seulement ici au Maroc, mais dans le monde entier. Je tiens à remercier M. Moutefa pour sa proposition et pour son engagement. Cet enquête en milieu radicaux a aussi été menée en parallèle par M. Mohamed Semouli, qui a accepté de présider la séance de ce jour. Il a en effet publié son travail d'investigation sous le titre « Les masques de la radicalisation » aux éditions en toutes lettres. Je tiens à le remercier pour sa disponibilité. Notre conférencier se consacre à un journalisme d'investigation, l'engagement le plus original et sans doute le plus exigeant du métier de journalisme. Monsieur Hichem Moutefa est aussi éditeur et dirige la collection Enquête de la maison d'édition en toutes lettres qu'il a cofondée avec Madame Zasperi, son épouse. Il faut être doté d'un optimisme solide pour se lancer dans le contexte actuel de domination des nouveaux médias pour éditer des livres en plus sur des questions de société. Je tiens donc particulièrement à les féliciter pour leur engagement et les encourager à persévérer dans cette entreprise. Pour résumer la mission que s'est donnée notre conférencier, je vous propose de vous lire la brève présentation de la collection Enquête qu'il dirige en préambule de l'ouvrage qu'il va nous présenter. Je cite « Enquête est une collection dédiée au journalisme d'investigation et à l'écoute de notre société. Chaque livre éclaire une thématique qu'il aborde à travers plusieurs reportages et enquêtes. Enquête, c'est d'abord une démarche, un travail de terrain pour aller à la rencontre de celles et de ceux dont la voix peine à se faire entendre, une restitution fidèle de ces témoignages, un récit simple et documenté qui refuse le sensationnalisme et le pathos et en appelle à l'intelligence des lecteurs tout autant qu'à leur conscience. Bref, des livres pour inciter les citoyens à prendre part au débat public en connaissance des enjeux. » Fin de citation. Autrement dit, il s'agit là d'une haute mission dont les objectifs répondent aux exigences que nous nous sommes fixées au Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain,
créé en hommage à mon vénéré père, qui a consacré sa vie dans ses écrits de journaliste militant, rassemblé dans la collection de 6 volumes, intitulé « Harb al-Qalam » ou « Un combat par la plume ». Faut-il rappeler que Mohamed Hassan Louazzani est sans doute un des premiers Marocains à avoir fait sciences politiques à Paris, mais il a parallèlement étudié à l'école de journalisme de Paris en 1927-1930 dans une notice d'un de ses professeurs qui apprécie les travaux présentés par son élève Mohamed Hassan Louazzani, notamment un exercice intitulé « Les qualités du bon journalisme ». Ce professeur, qui lui a demandé de conserver la copie dans ses archives et lui a donné la note de 9 sur 10. Hélas, nous n'avons pas retrouvé ces travaux d'étudiant de mon père. Quoi qu'il en soit, sa vocation de journaliste était engagée. Enfin, il s'est lancé très tôt en publiant des articles sur la situation au Maroc, politique, économique, sociale et culturelle, en prenant une part active à la création de la revue Maghreb à Paris en 1932, où il publie de nombreux articles, ainsi que dans la revue de La Nation Arabe, éditée à Genève par Cheikh Barcelane, dont il est le secrétaire entre 1931 et 1932. À peine rentré au Maroc, il crée à Fès, en mars 1933, un journal de combat, l'Action du Peuple, organe hebdomadaire de défense des intérêts marocains. Malgré toutes les vicissitudes subies de la part des autorités du protectorat, ce journal est devenu l'organe de référence du mouvement national marocain jusqu'à son interdiction en 1937 et la condamnation à l'exil de son directeur. Ce n'est qu'après sa libération en 1946 que Mohamed Hassan Louazzani reprend son combat politique en créant le Parti démocrate de l'indépendance, Hizb Shoura ou l'Istiqlal. Il lance avec ses partisans le journal El Ham en 1947. Ses articles se distinguent par de longues analyses sur des questions d'ordre politique, social ou économique. S'étant déclaré en opposition aux politiques menées par les gouvernements mis sur pied dès l'indépendance et déterminé à engager le Maroc nouveau vers des pratiques démocratiques, il crée le journal Démocratie en 1957. Les analyses de toute une nouvelle élite qui s'exprime dans ce journal après l'indépendance pour une brève période entre janvier 1957 et février 1958, atteste de l'extraordinaire potentiel de modernité qui s'est manifesté au moment de l'indépendance. Par ailleurs, Mohamed Hassan Louazzani a développé sa vision de l'articulation entre l'islam, l'État et la société, essentiellement dans deux de ses nombreux ouvrages de réflexion. Effectivement, il traite de ces questions très sensibles dans une collection de 8 volumes de la Saadouette M. Moulet. C'est notamment dans le volume numéro 1, intitulé « Islam, Weddoula, Wahaqiqat Hukm fi l'Islam » et dans le volume numéro 5, intitulé « Société et civilisation, l'islam, wal-mujtama, wal-madaniya ». Dans cette réflexion, mon père propose non seulement un islam éclairé, qui correspond à sa haute estime de la civilisation musulmane, mais surtout les modalités d'une réconciliation entre les éléments fondateurs de sa religion et les défis de la marge des sociétés humaines vers la modernité. C'est dire l'importance des analyses, des publications fondées sur des enquêtes et des faits dûment vérifiés pour le développement d'un peuple
et de sa participation pleine et entière à la compréhension des enjeux actuels. Autrement dit, les éclairages que vont nous apporter nos deux invités, M. Oudeifa et M. Semouni, sur les radicaux religieux au Maroc, nous aiderons à mieux saisir les motivations et les mécanismes qui ont conduit de nombreux Marocains, notamment du nord du Maroc, à s'engager dans un djihad, que ce soit en Afghanistan, en Iran, en Syrie et en Libye, voire dans des actions terroristes dans plusieurs pays. Comme vous le savez, un des objectifs essentiels de notre centre, c'est de stimuler en toute liberté les débats d'idées, les analyses historiques et les réflexions sur les enjeux actuels de notre société marocaine. Il est certain que la séance de ce jour répondra à cet objectif. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants, professeurs, chercheurs, journalistes et participants pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre, créant hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site internet ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction, pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse les actes du colloque de septembre 2017 intitulé « Le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan ?» Il est aussi disponible en e-book sur notre site web. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Maastelat, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention.